Enfin, après une semaine de mer assez agitée, nous voilà maintenant sur l'océan Pacifique après la traversée du canal de Panama. Et comme vous pouvez le voir, la mer, enfin l'océan, est enfin calme. Hier soir, pour célébrer la traversée du canal de Panama, on nous a offert une superbe lithographie que je vous montre tout de suite. La voilà, hop, qui représente notre point de départ, New Orleans, la Nouvelle-Orléans, notre arrivée à San Diego et bien sûr Panama Canal marqué au-dessous avec Mickey, Minnie et Pluto. À savoir que là, Minnie est en habit de capitaine, parce que maintenant, nous avons capitaine Minnie à bord. Donc ce genre de lithographie, vous pouvez les avoir en général sur les longues traversées comme le Panama ou la Transatlantique, et également à chaque fois que vous faites une croisière dans une cabine de type concierge. Des trucs un peu chers. Là, je me trouve actuellement dans l'Oceaners Club, donc c'est un club pour les enfants jusqu'à 12 ans à peu près. Vous avez plusieurs univers dedans. Vous avez un univers avec Toy Story, vous avez un univers avec les Avengers. Je crois qu'il y a même un univers avec Anna et Elsa. Et d'ailleurs, je vais essayer de vous emmener dans le sauna du premier film. Allez, on y va. Let it go, let it go. You'll never see me cry. Maybe a little. Une des particularités du pont 5 où se trouvent les clubs enfants, c'est que le plafond est très bas, comme vous pouvez le voir. C'est juste au-dessus de ma tête, en fait, c'est pour que les enfants se sentent à la même taille que les adultes, entre autres.